Bonjour, aujourd'hui on est dimanche le 12 avril, donc j'espère que tout le monde, et aujourd'hui on va réaliser le gâteau de Pâques. Donc, j'ai pesé 500 g de crème liquide avec 150 g de mascarpone et 100 g de sucre. J'ai pris des cerises Bigaro, j'ai fait un petit sirop pour imbiber mon biscuit, des fraises, de la friture pour deux Pâques, j'ai fait cuire des amandes effilées, donc au four, ma crème pâtissière et ma génoise que j'ai faite hier à la fraise. Voilà, donc on va lancer déjà la crème, on va monter la crème en attendant. Donc je vais me positionner là, voilà, je vais faire un peu de place. Donc je mets le sucre, voilà, et on voit. Donc pendant ce temps-là, on va couper le biscuit. Si je veux bien le rentrer, voilà. Ça va pas rentrer dans le biscuit. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc, je vais couper le biscuit. On va faire la place. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est bien rose mon biscuit, comme je voulais. Un biscuit arôme fraise et couleur fraise. Voilà. Alors ce biscuit, je vais l'imbiber, j'ai préparé. Alors c'est un sirop que j'ai avec le reste du jus de griotte, aux cerises. Je vais un peu imbiber. Alors imbiber, c'est tout simplement passer un peu de pinceau et le sirop dans le biscuit pour pas qu'il soit trop dur et qu'il y ait une petite saveur. Pas trop non plus, sinon ça déborde. Voilà, je réserve pour tout à l'heure. Alors, en attendant, je vais prendre un peu de crème pâtissière. J'avais fait la dernière fois. Je vais mettre une corde, ça devrait suffire. Voilà. Alors, je mets la montre. Alors, j'ai préparé une petite poche avec une petite douille. Ça sera pour la décoration pour Pâques. Donc, les petites fraises. On va prendre un petit couteau, je vais préparer mes fraises. Alors je vais en garder 4 ou 5 belles pour la décoration. Allez, voilà, on va garder cela. Et on va couper vite fait, donc je vais mettre ça là-bas. On va vite fait couper quelques fraises. Voilà, on va les couper en petits morceaux pour bien intégrer dans le gâteau. Allez. Ça sent bon la fraise là. Allez. Voilà. Donc on va attendre que la crème soit prise.